Le monde des béatitudes, Tabgha et Capharnaüm, se trouve dans un espace limité à un mouchoir de poche au nord du lac de Tibériade. Voici une chapelle offerte par la famille Schiaparelli. Nous visitons ici le mont des béatitudes. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit : Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Tabgha est le lieu où il y eut la multiplication des pains et des poissons. En ces lieux fut érigée une église de type basilical. La nef est recouverte d'une charpente en ferme. On y trouve également de belles mosaïques qui évoquent irrésistiblement le jardin d'Éden. Des pèlerins de toutes confessions et de toutes origines viennent s'y recueillir. Nous arrivons à la chapelle de la Primauté de Pierre. Un prêtre y donne quelques explications à ses ouailles. La table du Christ est une pierre sur laquelle se tenait Jésus pour donner son enseignement à ses disciples. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Ici, je suis à l'endroit même où Jésus-Christ prêcha à la foule et à ses disciples. Ce sont les rives du lac de Tibériade. Et au loin, quelques cormorans se sèchent les ailes au soleil. Nous voici ici à Capharnaüm. Une chapelle quelque peu disgracieuse chevauche l'endroit présumé de la maison de Simon-Pierre à Capharnaüm. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel ? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville subsisterait encore aujourd'hui. Nous sommes donc dans les ruines de la synagogue. Des moulins à grains. Effectivement, il y avait une manchette qui était posée sur un cône et qui était rotative. Il suffisait de mettre le grain par au-dessus et de tourner cette manchette de pierre et la farine sortait par en dessous. Derrière moi, c'est la mer de Tibériade. Les bords de la mer de Tibériade invitent à la méditation. Et nous logeons à Tibérias, une des quatre villes saintes du judaïsme, avec Safed, Jérusalem et Hébron.